Pour défendre ses droits, la femme n'a pas seulement besoin d'être instruite, elle a aussi besoin d'être en forme. Au nombre des activités prévues à l'occasion de cette célébration de la Journée internationale de la femme à Monsenjo, un match de Zango moderne a opposé les femmes du premier arrondissement de Monsenjo et celles du deuxième arrondissement. Durant la première partie, les femmes du premier arrondissement, ici en rouge et blanc, ont tout donné en menant le jeu avec 28 contre 11 points. La deuxième mi-temps a failli renverser la tendance car les jaunes et verts, donc l'arrondissement 2, a remonté la pente avec 21 contre 18 points. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour battre le premier arrondissement après l'addition des points. Finalement, ce sont les femmes du premier arrondissement qui l'ont emporté avec 46 contre 32 points. Tour à tour, le maire de Monsenjo et l'épouse de l'honorable François Ndouna ont remis les coupes et les enveloppes aux deux équipes. Émue par une telle initiative, elle n'en revenait pas au point de sillonner les rues et avenues de Monsenjo en chœur avec leur coupe sous les ovations des populations.